À chaque nouvelle région sa nouveauté, celle-là était de taille puisqu'il m'était ici possible d'explorer les fonds marins. J'y découvris des espèces uniques, m'octroyant leur pouvoir, se révélant très utiles après avoir pris le coup de main. Jusqu'à maintenant, j'en avais vu des archons différents, mais alors celui-ci semblait vraiment être un cas à part. Une modestie plus basse que les abysses et une estime aussi haute que Celestia, l'approcher s'avère être un vrai cauchemar. Elle serait pourtant celle capable de faire face à une sorte de prophétie dont les habitants ne cessent de me parler. Une soudaine montée des eaux viendrait engloutir la ville, condamnant ainsi son peuple à être effacé de la réalité. Nation de la justice oblige, il n'aura pas fallu longtemps pour que je sois envoyé dans leur célèbre prison sous-marine. Mais c'était sans compter sur un long stratagème mené jusqu'à son terme pour juger celle qui se croyait la plus maligne. Elle n'était cependant pas celle que nous pensions, une divinité cachée depuis des siècles dans un corps maudit. Sacrifiée pour déjouer l'ordre divin, elle redonna les pouvoirs au dragon souverain et libéra le peuple de la prophétie.